L'avancement des travaux aujourd'hui, on a une première étape qui est fixée pour septembre 2021, qui fera une pré-rentrée. On aura donc tout le côté ouest de la construction qui sera terminé, ainsi que le gymnase. Et on pourra, dès septembre 2022, intégrer la totalité du site, avec aussi les habitations, puisqu'on aura la possibilité pour des alternants d'avoir aussi d'hébergement. Et il y aura aussi quelques familles qui seront hébergées, puisque nous aurons une tour de 17 étages là, qui est en train de se construire et qui sera certainement terminée. C'est l'école d'ingénieurs qui va rentrer en premier. Et derrière, toutes les autres formations que nous faisons avec la CCI, c'est-à-dire l'automobile, c'est les activités commerce, les activités, je dirais, aussi touristiques, les activités informatiques, la partie médicale. Et tout ça se passera au fur et à mesure à partir de septembre 2022. Mais on intégrera une partie des bâtiments et on aura d'autres formations qui viendront se rajouter puisqu'on travaille aujourd'hui avec des professionnels pour garder les nouvelles filières qu'on va pouvoir développer.